Cette vidéo est tirée d'un stream sur Twitch. Toutes les vidéos de Borderlands 3 devraient être tirées d'un stream Twitch. Aussi, je vous conseille de vous abonner à la chaîne Twitch en suivant le lien dans la description. Merci à ceux qui étaient présents dans ces streams et merci d'avance à ceux qui viendront au prochain. Ok. Slag. Voilà, c'est bien ça. Mon arme me slag plus un bouclier qui ne recharge pas. Voilà, bouf. Allez-y les mastocs. Il ferait bien de te tirer. Ok. Le chasseur de l'arche est en train de vous botter le cul. Et le jeu est fort ou pas assez fort du coup là? Ah, je sais pas, moi je suis plus sur le live. Ouais, non, mais c'est normal. J'essaye de voir parce que là pour le coup, j'avais pas d'emmerde hier, aujourd'hui j'en ai, c'est chelou. J'adore ça. J'entends en double. Ah putain, ouais, il y a encore un bug. Ah, fait chier. Alors attends. Ah oui, non, ça vient de toi en fait, parce que t'as pas de casque. Arrête de bouger. Ah si, pardon, excuse-moi. Faut juste que je ralentisse, excuse-moi. Je pigeais pas de ce que ça venait, mais... Vas-y, tu vois, place. Alors attends. Faire plaisir à là, c'est le vrai moment. On va avoir le retour. Tu es mes meilleurs gars pour arriver jusqu'à moi. J'ai qu'une seule chose à te dire. C'est génial. On l'avait pas reconnu derrière le masque. Oh, qu'est-ce que tu veux? Il est très chelou chez moi en fait, il est pas en HD, c'était bizarre. C'est mieux. Bon. Mais c'est pas ça, faudra que je fasse des tests encore après. Oh, fais chier. Bon, alors, le pourquoi c'est quand je lance qu'il y a des emmerdes? Maintenant que t'es des nôtres, mes hélicos. Ça serait pas drôle sinon. Dis à Roland que je suis parti. Ouais. Y'a un mastoc sarcastique. Voilà. Et si jamais si tu veux, il y a un coffre en haut. Ah, si jamais bah, tu veux choper des armes. Faut toujours voir. Avec ma chance légendaire. Ouais, forcément, j'ai pas pris le bon escalier, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Faut passer par la porte. Je parlais de ma chance, hein, mais... Parce que c'est vrai que le super bouclier qui recharge pas, mais qui fait masse dégâts cac, et en plus le slag, je vais vraiment être une fillette, quoi. Non, ça c'est pas grave, encore je peux... En tirant dessus, je peux régène et... te réanimer de loin, donc... Ouais, mais si je me prends une balle et que je meurs, oh, pff. Ok. J'ai peur de marcher sur un ventilo et de mourir. Alors, bêtement, on s'était caché, mais... C'est un peu l'occasion idéale d'exterminer deux bandits. Bon, du coup, t'as le 3? Enfin, tu vas avoir le 3 ou pas, toi? Ouais, je pense m'acheter le 3, ouais, parce que... Des one ou pas des one? Ah, ça, je sais pas. Parce qu'on cherche une Amara. Si ça t'intéresse un jour. On a moi en flaque. Je pense signer sur les persos. Habituellement, Amara, je le sais, mais... c'est la sirène. Ah, bah ouais, bah nickel alors. Si jamais je l'achète. Parce que voilà. Moi, je joue flak. En tout cas, je vais jouer flak. J'ai une un mec qui va jouer Moz, un mec qui va jouer Zane. Du coup, il nous manquait juste le quatrième personnage. Ah bah, il y a donc des si chances ça, que si ça te tente, que je vienne. N'hésite pas. Yes. Bah, je te redirai ça dans les prochains jours. Bah, de toute façon, c'est quoi? Il sort vraiment la semaine prochaine. Ah bah, ça devrait le faire. Non, c'est vrai. Et il y a les arbres de talent disponibles sur le site, si tu veux vraiment te renseigner à fond. Ah bah, c'est quoi, je verrai ça, ouais. Ah merde, non, j'ai changé mes grenades. Bon, tant pis, ok. C'est
Si jamais là, je viens de voir, il y a des grenades légendaires par terre. Tu viens de voir ou tu viens de les poser? Ah non, c'est non, les non, miennes, je viens, oui, de, non. Je viens de les voir. Ah. Oui, non, c'est les. Bah, je vais les reprendre si tu veux, y'a pas de soucis. Mais ouais. J'étais content que ça soit tombé, mais. Bah là, en fait, je le fais parce que. Oui, j'enregistre en même temps, juste histoire d'être sûr maintenant. Et je le refais pour la chaîne, mais j'avais complètement zappé le jeu en... sur une grosse partie. Quoi. J'avais plus joué à pré-sequel derrière que celui-ci. Je l'avais acheté le pré-sequel, mais j'y ai pas vraiment joué. J'avais pas accroché du tout. Ouais, je sais pas, il m'avait semblé. On pourrait pas dire plus fun, mais disons que les personnages m'avaient semblé plus attrayants. Je veux dire, avec ce jeu-là qui avait bien amené le Bojack et tout ça. Ah, ça c'est dommage. Hop là, un petit peu de rejet. Non, va-t'en. Le plastique, c'est fantastique. Yes. Donc apparemment, Amara sera une cac, hein. Une sirène cac. Ah. Merci. Waouh, trop fort. On a assuré comme des brutasses, Mastoc. On se retrouve à Sanctuary. Oh, faut que je te prévienne. Les Mastoc vont probablement continuer à essayer de te descendre. Parce que c'est des abrutis. N'hésite pas à les buter. C'est quand vous voulez. C'est comme moi. Et bah d'ailleurs, si t'es... si on arrive à aller... Bon, on va pas le faire tomber dans ce stream, mais si t'es là... pour la fin de l'histoire, derrière, il y a une mise à jour qui est sortie. Qui fait le lien, donc une mise à jour du 2 qui est sortie, qui fait le lien entre le 2 et le 3ème opus. Oh! Intéressant. Tu peux peut-être l'avoir, je sais pas si tu as accès au truc, mais... Tu peux voir tout en haut ta bataille pour Sanctuary, Fight for Sanctuary, je sais pas si tu peux le voir quand tu vois. Ouais, ça je l'ai vu, ouais, je l'avais vu. Ah, c'est ça en fait. Ça te téléporte okay. Directement sur place. Réinitialisation des compétences, oui. Hop. Je viens de faire 2-3 modifications. Ok, on va faire ça comme ça. Ok, on est bon. Rapport. Rick, je pensais pas revenir ici un jour. La dernière fois qu'on s'est causé, t'avais pas l'air pressé de me revoir. Les temps changent, on a besoin de toute l'aide disponible. Même celle d'un psychopathe assoiffé de sang. Il est moins bien le shield. Franchement, je vois pas comment passer une porte qui ne peut s'ouvrir qu'avec Jack. Désolé de vous interrompre, mais le temps presse. Tu dois te rendre à Opportunity. Pour ouvrir la dernière porte qui mène à ma salle, ils sont tu dois tous là. Être Jack. Enfin, tu dois réussir le test biométrique et dire un mot de passe avec sa voix. Si tu élimines l'un des sosies de Jack à Opportunity, je peux t'aider à ouvrir cette porte. Slag. Ça me fait vraiment mal de te le dire. Mais l'ange est notre meilleur. J'ai du nouveau pour toi. La propagande, c'est nul. Hein. Ah, là. Qu'est-ce que c'est que ça? La calamité, Marcus. Ah, c'est moi? Je suis la calamité, merde. C'est pas mon flingue préféré. Très bien. Apporte cette caméra à Opportunity. Jack a détruit mon Underdome quand je l'ai claqué. Et maintenant il veut construire sa propre arène. Bon bah. Go for it. Je sais enfin. Va Opportunity et tue le contremaître qui dirige le chantier. T'aimerais pas la couleur rouge par hasard? Un petit peu, je préférais l'orange, mais j'aime beaucoup le rouge aussi. Ça se voit tant que ça? Non! Ah bah ça va alors, ça se voit pas trop. Super flingue! Mais. Il est maudit. Je l'avais revendu à Horace, un bandit.
Trouver Horace dans The Dust. Très bien. On va aller voir Rocco Siffredi. Mais mes mastocs ont encore pas mal de boulot à Sargent Katz. Va voir Rocco. C'est un vrai crétin, mais au moins, il essaiera pas de te tuer. C'est coup de Penny. Trop tôt. Défendez la tour. Boum, ça c'est fait. Poète en... Je peux pas avoir poète en lien parce qu'il cause. Jack veut détruire la cargaison avant qu'on puisse l'utiliser. Tu dois l'en empêcher. Prends les drapeaux de Rocco. Regarde juste vite fait la quête. Ouais. Est-ce que ça se passe? T'en as juste à côté des magazines de cul. Normalement, il y a les drapeaux dans le coin aussi. Ouais, ouais, ils sont juste devant là, au niveau de la du conteneur. Cool. J'ai fait la liste des points défensifs clés. Pose un drapeau sur n'importe lequel. Et mes mastocs sont où? Oh bon sang, ce bandit s'est pendu à sa propre pierre tombale. C'est flippant. Bien déprimant, j'y comprends rien. C'est parfait. Direct dans le poème. Ok. Cette musique qui va tellement pas avec le jeu, pourtant. C'est vrai. Qui fait plutôt Assassin's Creed. Attends, on va profiter pour la faire. On devrait pas se faire agresser? Normalement, si. Non. Ah, peut-être poser tous les poser. Peut-être poser les trois, ouais. Et la troisième, elle se place où? Ah, là-haut. Tac tac tac, merde, c'est en dessous. C'est un bandit qui tripote en robot? Voilà, ça c'est de l'art! Ça s'annonce bien! Monte jusqu'à cette énorme tourelle sur la tour centrale! Non, c'est un robot qui tripote un bandit. Bah, dans les deux cas, c'est pas ouf. Oh, ah, ça dépend! Entouré de sang et de saloperie. Je connaissais pas la série sur Netflix. Love, c'est. Non, c'est quoi? Ah, Love, Death and Robots, là. Robots. Ouais, c'était vraiment pas mal. J'ai pas regardé. On m'a dit que c'était pas mal, mais j'ai jamais regardé. J'ai terminé mon truc de mais attendez pas, mais c'est vraiment pas mal. Emmène ta fraise. Je vais te la lire. Slaggy. Alors, du coup, Thousand Cuts. Hop. Parfait. Hop. Et tu prends la sulfateuse ou je prends la sulfateuse? Non, vas-y, prends la sulfateuse. Ok. Empêchez les robots d'approcher de la caisse de ravitaillement. Génial. Les mastocs sont avec nous, ça fait très bizarre. Elle est très 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 précise. Plutôt bien. Ah. Un petit Goliath enragé. Ah, brutal maintenant, ça va être sympathique. J'essaie de pas les achever alors. On va le laisser frapper un peu. Voilà, il a encore level up super brutal. Oula, ça pop devant moi. Il a pas level up. Ah zut! Brutal ultime. Ah nice! Y'a pas au-dessus de toute façon. J'en sais rien du tout. J'en ai pas encore vu au-dessus. Ah y'a peut-être le super ultime là, je sais pas quoi. Ah oh non, ils ont eu la tourelle! Ah oh, chier. J'étais en train de le regarder. C'est ma faute. Oula. Ah il est contre nous aussi, d'accord. Ah ouais, à partir du moment j'avais où il pas pigé. Enragé, il est enragé. Il a lâché du bleu. Oh, flûte, ils sont passés. Flûte. Flûte. Ouais. Oui, c'est pour ça que je réagis. Flûte. Mince alors. Sapé à l'hypopète. Non, pardon, excuse-moi.
Ah bah non, on m'a lancé mon invisibilité. Ok, bon ça aura pas été extrêmement difficile. C'est vrai qu'on a connu pire. Le sadique est avec nous. Tout va bien. Pour une fois. Oui. Zam ? Non ? Ouvre toi. Bah je sais pas, ouais je m'y attendais aussi, ouais. Ok. C'est pas du tout décevant. Bah, super. Donc ouais, je disais, il va y avoir un vrai endgame avec au-delà du New Game Plus, tu sais, classique, où tu refais l'histoire, tu peux avoir des modes qui s'appellent le mode chaos avec des... comment dire, comment t'appellerais ça? Je sais pas, t'as joué à comment que ça s'appelle? À Destiny 2 ou pas? Destiny 1, je sais pas s'il y a aussi. Il me répond plus. Ouais, c'est bon. mon tactique des fois, genre c'est pas, je sais absolument pas pourquoi. Ouais, j'y avais joué. J'ai pris aucun DLC tout ça, mais j'y avais. Des fois, t'as des espèces de modificateurs. Tu sais, quand tu lances chaque semaine, t'as un modificateur qui change. Genre. Ah oui, ouais. Et bah, il va y avoir un peu comme ça à la fin, dans un mode de difficulté entre guillemets extrême, un petit peu semblable au tourment de Diablo. C'est-à-dire qu'on va avoir KO 1, KO 2, KO 3. Et en KO 3, t'as beaucoup plus de loot. Les ennemis sont beaucoup plus durs. Et aussi, tu as ces espèces de modificateurs qui apparaissent. Ok. Oh, ça peut être intéressant, ça peut être cool. Bah, surtout qu'en plus, ça donne des armes qui s'appellent les armes élues, qui sont des armes vraiment au-dessus des autres, parce qu'en fait, elles t'apportent un point de compétence supplémentaire quand tu les portes dans une de tes stats de l'arbre de compétence. Donc, c'est vraiment. C'est qu'en fait, elles ont un effet un petit peu semblable à un mode de classe, quoi. Non, bah, ça va être génial, ça. Bah, ouais. J'ai l'impression qu'ils changent quand même pas mal de choses, bah qu'ils rajoutent plutôt... Oui, ils rajoutent du contenu, parce que finalement le jeu, ils se sont rendus compte qu'une fois que tu l'as, que t'as farmé tes armes, que t'as fait ton personnage, bah faut que tu changes le personnage, quoi. Y a pas d'autre chose à faire. En plus là, tu vas avoir beaucoup plus de comment que ça s'appelle, de personnalisation de personnage. Avec des skins d'armes. Ça oui. Va être propre. Ça va être vraiment sympa. Je sais pas si elles vont toutes se cumuler sur tous les types d'armes, mais bon, on verra bien. Skins d'armes, donc toujours des têtes, toujours des skins de personnages. Tu pourras personnaliser une chambre aussi. Ah oui. Ouais, t'auras ta chambre à personnaliser. Y a quelqu'un qui va à la porte là-haut. Ouais, c'est rare, ouais, ça en va pas ma grenade. Il est solide. Ça le rend plus facile à toucher, je confirme. Hop là, level up. Il a donné que du blanc, c'est nul. Tu auras aussi des espèces de porte-clés à accrocher à ton sac à dos. Ah, ils ont vraiment bien rajouté. Bon, des trucs que ça va être sympa. Ninja, un peu futile, mais ça peut toujours être sympathique à chercher, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est-à-dire que voilà, tout le monde trouve que c'est pas terrible, mais finalement, on va tous aller les chercher comme des couillons, quoi. Ouais, parce que justement... ça sert à rien, mais c'est bien. C'est ça.